Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esperluette, le podcast à l'écoute des belles énergies entrepreneuriales, associatives et artistiques de mon territoire, le Vaucluse. Pas besoin d'être vauclusien ou vauclusienne pour m'écouter, ce podcast c'est surtout une bonne dose d'énergie positive. Esperluette est un podcast un petit peu particulier car vous pouvez y écouter plusieurs formats différents, interviews, plateaux thématiques et chroniques. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur esperluette-podcast.fr. Je suis Marie-Cécile Drécourt, la productrice de ce podcast, et aujourd'hui je vous propose de prendre rendez-vous avec votre terre intérieure grâce au talent de relaxation de Myriam Mendy, professeure de Kundalini Yoga et accompagnatrice du changement. Bonne écoute! Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de terre intérieure. Je m'appelle Myriam Mendy, je suis enseignante de Kundalini Yoga et je donne des cours de yoga du côté d'Avignon. Je vous propose régulièrement, sur Esperluette, une pause pour vous relaxer ou méditer. Et aujourd'hui, c'est sur l'énergie de printemps, l'harmonie du soleil et de la lune. Le soleil, la lumière, la chaleur, le jour sont associés au yang. La nuit, le froid et la lune sont associés au yin. Le printemps est la saison où le yang se développe au sein du yin, comme la plante qui émerge de la terre et pousse vers le ciel. C'est le moment où le jour redevient plus présent face à la nuit. De la même manière, nous ressentons à l'intérieur ce mouvement d'énergie. Le printemps est la saison où l'on rééquilibre énergie solaire et énergie lunaire. Pour cela, je vous propose de pratiquer un pranayama issu du Kundalini Yoga. C'est une respiration alternée qui va équilibrer vos deux polarités, votre lune et votre soleil intérieur. Asseyez-vous confortablement sur une chaise ou en tailleur sur un tapis. Le dos bien droit, votre menton légèrement rentré pour étirer votre nuque. Votre main gauche est posée sur votre genou gauche, paume tournée vers le ciel. Poussez index en contact. Avec votre main droite, vous allez vous servir de votre pouce droit pour boucher votre narine droite et votre annulaire pour boucher la narine gauche. Et vous alternerez pouce et annulaire au rythme de la respiration. Fermez vos yeux. Bouchez votre narine droite avec votre pouce droit et inspirez longuement et profondément par la narine gauche. Bloquez poumon plein, puis bouchez-vous votre narine gauche avec l'annulaire et expirez doucement par la narine droite. En restant du même côté, inspirez de la même narine à droite. Bloquez poumon plein, changez de doigt, appuyez avec votre pouce sur la narine droite et expirez par la narine gauche. Restez à gauche, inspirez lentement du même côté. Et poumon plein, changez de doigt, bouchez la narine gauche avec l'annulaire et expirez par la droite. Continuez ce cycle de respiration alternée en changeant de doigt sur chaque expire. Respiration devient de plus en plus ample,
Vous installez un flux respiratoire qui nettoie en profondeur vos narines, votre colonne vertébrale et tout votre corps. Cette respiration aère et purifie sur un plan physique, mental et émotionnel. Vous êtes en train de faire un grand nettoyage de printemps. Continuez ce cycle de respiration, alternez entre votre narine droite et votre narine gauche. Au fur et à mesure, vous sentez que vous faites de l'espace dans votre tête et le plein de fraîcheur et de légèreté dans votre corps. L'alternance d'une narine sur l'autre vous permet d'équilibrer la circulation de l'énergie entre votre côté droit et votre côté gauche. Puis terminez votre cycle de respiration en cours. Et reprenez une inspiration par les deux narines. Restez quelques secondes poumon plein. Puis expirez doucement. Posez vos deux mains sur vos genoux. Gardez vos yeux fermés. Et laissez aller naturellement votre respiration. Prenez quelques secondes à cet instant précis pour observer votre état intérieur. Accueillez. Puis vous allez joindre vos deux mains au centre du cœur en moudra d'unité, paume contre paume. Sentez le contact de vos paumes ensemble, de vos doigts, du bas de la phalange jusqu'au bout des mains. Respirez et ressentez l'union apaisée entre votre main droite et votre main gauche. Prenez conscience de l'équilibre subtil des deux hémisphères de votre cerveau. Vous harmonisez au centre de vous-même vos deux polarités. Le yin, le yang, le féminin, le masculin, la fraîcheur, la chaleur. Dans cet équilibre naturel, votre énergie circule librement. La vie s'écoule à l'unisson. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous de Terre Intérieure. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram ou sur Internet, si vous avez envie d'en savoir plus sur le Kundalini Yoga, ses techniques, sa philosophie.